Hervé Matou qui veut commenter ce match. Comme d'habitude, c'est un plaisir. Pour moi en tout cas, la Pologne affronte l'Argentine. Là, je suis sûr qu'on va avoir de bons moments dans cette rencontre. J'ai vraiment hâte que ça commence. Le coup d'envoi donné par les Polonais. Et ce ballon qui traîne. Allez, il élimine. Et le but! Déjà 1-0. Voilà un match qui commence fort. On voit les images de la contre-attaque. Frappe magnifique à la fin, puissante. Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. Il cherche André Di Maria par-dessus. Di Maria, Paredes, pour Lo Celso, elle repasse par Messi. Leandro Paredes, il faut qu'il centre maintenant. Ouais, Messi qui élimine son adversaire, bien fait ça. Un mauvais dégagement, mal fait. Allez, après tout, pourquoi pas. Et la voilà, la frappe. Ouais, l'arrêt du gardien. Prise de balle parfaite. André Di Maria. Allez, peut-être un bon ballon à jouer pour les Argentins. Une balle d'égalisation. Le gardien qui repousse. Ah ouais, très bien pris. Lo Celso. Oh, magnifique la parade! Superbe plongeon! C'était loin d'être évident! Le Messi qui frappe ce corner, bien parti. C'est un petit peu brouillon en défense, hein. Il est mal dégagé ce ballon. Oh, très bien défendu! L'Argentine, ouais, qui joue, l'arbitre laisse l'avantage. Allez, continue Messi. Ouais, bien sûr, il suffit de le dire pour que le contraire se passe. Ouais, bon tacle, mais personne pour reprendre ce ballon. Et voilà, il n'a pas pu se libérer de la pression et il perd le ballon qui est sorti. Attention, il peut centrer là. Ah, il a bien lu ce centre, le gardien. Oh, attention, il a déjà été averti. C'est dangereux de faire une faute comme ça. Paredes. Oui, il y avait un espace, il l'a vu. Et non, ça va s'arrêter là. Lautaro Martinez. Le gardien qui va pouvoir se dégager. Bonne interception de Tamendi. Rodrigo de Paul. Très bonne interception. Il y avait danger derrière. Bien joué.
La Pologne qui perd le ballon directement. Paredes. Giovanni Lo Celso. Ils sont en train de poser leur jeu patiemment. Belle intervention, changement de possession. Angel Di Maria. Léo Messi. Peut-être l'égalisation. Qui n'a pas capté le ballon. Ah, c'est pas fini. Ils peuvent peut-être partir en contre. Il avance balle au pied. Centre de Lewandowski. Ah, c'est incroyable ce qu'on vient de voir parce qu'il y a une contre-attaque magnifique. Beaucoup de précision, beaucoup de mouvement. C'est magnifique. Et à l'arrivée, c'est absolument n'importe quoi dans la conclusion. Oh, il s'est fait passer le défenseur. Ballon capté par le gardien. Récupération et peut-être une action dangereuse. Ouais, la bonne intervention, très efficace là, de la défense. Il y a peut-être moyen de placer un contre, attention. Bonne passe lobée dans le dos de la défense. Bon tacle, mais ce n'est pas fini. Ah ouais, c'est bien fait ça. Lewandowski, qui peut certainement exploiter ce ballon. Ouais, il repousse, ça joue. Ce sera un coup franc hein, pour les Argentins. Le bon coup d'œil. Un mauvais dégagement là, attention. Attention, un petit peu de maladresse côté polonais, on a perdu le ballon. Messi. Il n'y a personne pour couper la route de Léo Messi qui va pouvoir s'enfoncer. Le centre de Messi. Mauvaise relance. Giovanni Lo Celso. Giovanni Lo Celso. Et ce ballon qui est perdu. Là, il fallait intervenir. Robert Lewandowski. La tentative du petit ballon piqué, mais ça passe largement au-dessus. Et il n'y aura qu'une minute hein, de temps additionnel à jouer. Paredes. Pour Di Maria. Ouais, il est bien placé pour centrer. Ouais, l'arbitre qui a désigné le point de pénalty. Ça veut dire que l'équipe adverse va avoir un ballon d'égalisation. On revoit le joueur se jeter sur ce ballon. Et à faute, bien sûr. Ce penalty extrêmement bien tiré, même si le gardien était parti du bon côté, il n'y avait rien à faire. Voilà la fin des 45 premières minutes.
Ce sont les Argentins qui lancent cette seconde période. Montiel, Paredes. Robert Lewandowski. Est-ce qu'il va pouvoir centrer? Krikoviak. Oh, que c'est mal défendu. Et c'est repris de volet. Oh, quelle détente! Oh, il est allé la chercher très loin, celle-là. Un corner qui va arriver en plein milieu de la surface. Pas de problème pour le gardien. À cette reprise, on va dire que c'est une passe décisive, mais pour Thomas Pesquet dans la station spatiale. Ah, ça ne s'arrête pas une seconde hein, dans ce match. Regardez les stats. C'est sûr que c'est à la fois indécis et très plaisant à regarder, vraiment. Messi. Place là pour une contre-attaque. La défense qui est un petit peu désertée. Ouais, c'était dangereux. Mais la défense s'est dégagée au grand soulagement du gardien. Ouais, ça s'est très bien défendu. Attention, le bon pressing. Est-ce ce ballon qui traîne? Robert Lewandowski. Oh, quel arrêt! Oh, quel arrêt, un plongeon exceptionnel! Le corner, le ballon en pleine surface. C'est récupéré dans le camp de l'adversaire. Lewandowski. Ouais, défenseur qui enraye cette action. Arkadiusz Milik, excellent plongeon du gardien sur cette action. Le remplaçant qui se prépare à rentrer, mais à la place de qui? Il a cherché le point de pénalty sur ce corner. Ouais, la tête, mais c'est sans souci. Arrêt facile. On a atteint l'heure de jeu. Di Maria. Allez, l'occasion peut-être de mener. Un superbe geste défensif. Le joueur ne pouvait clairement pas continuer son action, alors on est revenu à la faute. Piotr Zielinski. Ouais, l'arrêt du gardien. Sans souci. Peut-être l'occasion de placer une contre-attaque. Il n'y a pas grand monde là pour revenir défendre. Attention, ça peut devenir intéressant. Attention. Oh, but! Oh, but pour la Pologne! Oh, voilà, contre-attaque qui amène ce but. Une frappe magnifique à la fin, puissante. Il mène à la marque désormais 2 buts à 1. Rodrigo de Paul, Paredes, Lionel Messi. L'Argentine qui se projette vers l'avant et ce ballon qui est perdu. Contre-attaque peut-être. Oh, personne ne peut l'arrêter, il est passé.
but. Oh, le but signé André Di Maria. Ah, c'est le genre de situation qu'il aime bien. On va voir ce but. On va faire vite hein, quand même parce que ça a l'air de s'exciter. Ah, décidément, dans ce match, personne n'arrive à prendre le meilleur sur l'autre. Voilà, une offensive polonaise. Au centre, il y a du monde. Un danger qui s'éloigne, c'était pourtant bien donné. Un manque d'attention, un petit peu de maladresse côté polonais, on a perdu le ballon. Robert Lewandowski. Allez, un corner pour virer en tête peut-être. Un corner qui ne donnera rien. Montiel. La passe vers Léo Messi. La passe aérienne, pas mal. Bon geste défensif. Bon, ça s'est bien joué dans la course. Et il gagne quelques mètres. La passe est coupée, bien défendue. Ouais, passe complètement manquée. C'est cadeau. Un petit coup de chronomètre qui nous indique qu'il ne reste que 10 minutes à jouer dans le temps réglementaire. C'est qui perd le ballon. Attention à ce ballon récupéré là très haut. Messi. Rodriguez. Lautaro Martinez. Le centre en retrait, attention. Ouais, la bonne intervention de Chesney. Allez, il faut bien le tirer hein, ce corner. Ils peuvent marquer. Mal donné ce centre, dommage. Un arrêt de Maria. Ah, il est tardif ce but et il est d'autant plus important. Les dernières minutes du match vont être passionnantes, vraiment. C'est clair sur le ralenti qu'il n'y a pas assez d'agressivité sur le porteur. Il n'y a pas d'intensité dans les duels. C'est quand même incroyable de voir cette passivité défensive. Ça fait donc 3 buts à 2, un petit but d'écart. Très très bon, on prend sa chance et c'est le but de l'égalisation marqué à l'instant alors qu'on approchait de la fin du match. Bon, tout est à refaire, on va avoir ce but, faut faire vite hein, parce que si ça se trouve on va en avoir un autre juste derrière. Et c'est encore un retour au score, une nouvelle égalité. On se dirige vers un match nul, mais les Argentins sont à l'attaque. On cherche le premier poteau. Et oui, le gardien qui sort, ça fait du bien à sa défense. Allez, un petit peu d'espace là pour les Polonais qui vont développer leur attaque. Un avantage qui n'a rien donné, alors l'arbitre revient à la faute.
Ouais, pas de prise de risque, ballon dégagé. Alors c'est un score nul à la fin de ce match. Peut-être une prolongation.